Donc cette semaine, on est très heureux d'un voilà, on a vu arriver le coffret Med Hondo que Dorian Film édite. Et puis voilà, bon, pour moi ça a été une vraie découverte et puis je trouve que c'était important d'en parler. Sont venus cet après-midi voilà, nous en parler, les gens qui ont un peu confectionné ce coffret et puis des gens qui ont travaillé autour ou des choses à en dire. Je fais une courte présentation de chacun. Donc, François Catonnet, c'est ça ? Ouais, François Catonnet, tu as été chef opérateur de Med Hondo sur Soleil Haut, voilà. Et tu as ton actif, alors je n'ai pas toute la liste des films sur lesquels tu as travaillé, je sais que tu as travaillé avec Gérard Morbilla, avec Régis Varnier, bon voilà, tu as une filmo avec Bertrand Blier sur les acteurs, voilà. Bon, ça sera intéressant que tu me parles évidemment de tes rapports et de ta rencontre avec Med Hondo et du travail sur ce film-là qui fait partie du coffret, et, voilà, pour moi qui a été une vraie découverte, hein. Je ne sais pas si tu es nombreux à connaître le cinéma de Med Hondo, pour moi ça a été une découverte. Donc, Annabelle Aventurin, tu es archiviste, donc c'est toi un peu la cheville ouvrière hein, de ce coffret, hein, je crois, je ne me trompe pas. Vous avez été, oui, disons que... Oui. Et donc, tu es chargé de la conservation et de la diffusion des films de Med Hondo au sein de Cinéarchive. Mmh. Cinéarchive, c'est le fonds audiovisuel du PCF. Oui. Pas loin, Colonel Fabien. Ouais. Tu es également programmatrice du Festival Libre du Moyen-Métrage, qui existe depuis 7 ans. Et tu as réalisé ton premier film en 2022, qui s'appelle Le Roi n'est pas mon cousin. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Voilà, je ne me suis pas trompé. Fanta, si là, voilà. Tu es critique de cinéma. Tu es éditrice de la revue en ligne À tout bas, c'est ça ? Et tu écris sur le cinéma noir américain et africain pour Les Arabes, Sight and Sound et The Village Voice. Est-ce que c'est ça ? Oui. Et JB Kébé, que je n'ai. Alors, voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre parce que j'ai rencontré Annabelle et Fanta. Voilà. Donc, bienvenue à la boutique. Donc, tu es photographe et membre du collectif Air Afrique. Alors, Air Afrique, ce n'est pas la compagnie aérienne, non. C'est un collectif d'artistes multidisciplinaires. Alors, ça va être un peu solennel comme ça, mais qui vise à raviver les idéaux panafricanistes. D'accord. Et tu nous parleras voilà, peut-être d'Air Afrique, mais surtout aussi de ta découverte ou ton rapport avec le cinéma de Med Hondo. Donc, moi, ce que je propose de faire, c'est que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur avant. Il y a avant l'édition de ce coffret, j'en avais vaguement entendu parler, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit... quelqu'un nous fasse une petite bio pour resituer, je pense que ça aidera tout le monde, et puis ça nous permettra, parce que, alors, Med Hondo, on le connaît aussi, parce que c'est quelqu'un qui a réalisé des films, mais surtout qui a fait beaucoup de doublage, qui a été la voix d'Eddie Murphy, de Morgan Freeman, donc on connaît la sonorité de sa pardon ? L'âne de Shrek, voilà, voilà, bon, il est, on le connaît, dans l'imaginaire collectif, on le connaît par ce biais-là, on connaissait beaucoup moins toute sa filmographie, et voilà. Donc Annabelle, peut-être, tu peux te charger ça, de faire une petite bio de Med Hondo, déjà, merci d'être là. Du coup, oui, donc, juste pour expliquer pourquoi il y a un lien avec Cinéarchive, c'est que Med Hondo a déposé son fonds d'archives, ses films, et tous ses documents, non-film, qu'on appelle non-film, à Cinéarchive, donc qui est le fonds audiovisuel du PCF et du mouvement ouvrier. C'est un travail qui a commencé, si je ne me trompe pas, entre 2013 et 2015, puisqu'il a fait des allers-retours comme ça, en prenant conseil auprès de mes collègues. Donc Marion Boulestreau, qui maintenant est la responsable de Cinéarchive, et Maxime Grandbert, qui est présent avec nous aujourd'hui, et qui était le responsable de Cinéarchive pendant 12 années. Et puis en 2018, ça s'est vraiment mis en forme, voilà. Donc, Med Hondo a déposé son fonds à Cinéarchive. Il y avait des liens entre son cinéma et Cinéarchive qui existaient de par les théories marxistes qu'on peut aussi retrouver dans ses films. Enfin voilà, tout plein de liens comme ça avec ces théories-là, mais aussi tout simplement, mais en plus de ça,
aussi par les techniciens, techniciennes qui travaillent sur ces films et qui sont aussi des techniciens et techniciennes qu'on retrouvait dans les films du fond de Cinarchie. Je pense à Antoine Beaufanti qui a fait le son sur West Indies, qui est un ingénieur son très connu. Je pense aussi à Jacqueline Mépiel qui a travaillé sur le montage travaillé sur le tournage de Nous aurons toute la mort pour dormir et qui travaillait aussi sur d'autres films liés à Cinarchive. Enfin voilà. Et puis Théo Robichet de qui il a produit le film qui s'appelle La fin du monde, FIM, fin du monde, et qui est aussi un cinéaste qui est à l'intérieur du fond de Cinarchive. Donc voilà, il était à l'intérieur aussi d'une sphère de cinéastes militants à l'intérieur de une sphère parisienne, française, je sais pas trop. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ouais, je pense que on peut complètement convoquer. Allô, allô. Pardon. Bah, Médondo, si on commence par le début, il est né à Attar en Mauritanie, c'est-à-dire dans le désert. Il était petit-fils d'esclave. Et quand il a eu quelques années, il a été un peu repéré par un instituteur qui a dit à son père, il ne faut pas le laisser là, il faut qu'il fasse des études. Donc quand il a été adolescent, il a été envoyé à Rabat faire des études de cuisine. Il avait un caractère assez trempé, il ne fallait pas lui manquer de respect, et ça partait vite. Il s'est fâché avec son école, il est monté après à Alger, où bien sûr il a travaillé à la plonge, puisqu'il était noir, et on ne lui faisait pas faire la cuisine. Et ensuite il a été à Marseille, où il a fait le docker, et ensuite il est venu à Paris. Et là il a pris des cours avec une grande actrice qui s'appelait Françoise Rosay, qui était une grande vedette du cinéma français des années 30, 40, 50, voilà, et petit à petit, il s'est intégré dans le cinéma comme acteur. Très souvent, Françoise Rosay avait deux fils qui étaient assistants réalisateurs et qui essayaient de lui trouver des figurations pour qu'il puisse gagner un peu d'argent, parce qu'il ne gagnait pas grand-chose. Et d'ailleurs, Françoise Rosay, un jour, elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais le reste du temps quand tu n'es pas à mes cours ?» Il lui a dit « Bah, je travaille dans des cuisines. » Ah bon, elle était un peu surprise parce qu'il n'y avait que des bourgeois dans son école. Déjà, il n'y avait pas de noirs, et en plus, il y avait que des bourgeois. Et elle lui a dit gentiment « Bah, à partir de maintenant, tu ne paieras plus tes cours. Ce sera gratuit. » Voilà, et petit à petit, il est rentré dans le cinéma. Comme acteur, il a progressé. Alors, je ne connais pas bien la part théâtre, hein, parce qu'il y a toute une part chez Médondo militante pour le théâtre africain, pour essayer de monter des pièces. Il a créé une troupe d'acteurs africains pour monter des pièces au théâtre, ce qui ne s'était jamais fait. Je pense qu'il était le premier, ou des amis à lui étaient les premiers. Et alors cette partie-là, je la connais pas bien. Moi, je connais surtout le cinéma. Et tu en parles, tu en connaîtras mieux que moi. Bah oui, dans tous les cas, il y a un extrait justement d'un film télévisuel de Jean-Christophe Averty qui s'appelle Les Verts Pâturages, que je voulais montrer. Ah, et c'est aussi pour parler de oui, s'inscrit à ce moment-là à l'intérieur de la compagnie de Rio Chango. Rapidement pour montrer un peu qui il était. Très très bon acteur, beau comme un dieu. Et il a commencé à jouer dans des films assez importants, comme Un homme de trop de Costa Gavras. Il avait joué aussi, il était quasiment figurant ou jeune acteur. Il s'est retrouvé entre les deux vedettes, a donné la réplique à table dans un film de Martin Ritt, un film américain, qui est peu connu, Paris Blues, je crois. Hein, Paris Blues, ça s'appelait. C'est des films qui ont eu une notoriété à leur époque. C'est Martin Ritt, c'est pas le grand metteur en scène américain, mais c'est quand même un très grand metteur en scène. Et à force de jouer la comédie, de voir des gens enregistrer, des techniciens, des caméras, etc., petit à petit est né en lui, au fond, ce pourquoi il était fait, c'est-à-dire parler de l'Afrique, parler des Africains, par des moyens du cinéma, du théâtre d'abord, et ensuite du cinéma.
Donc il a fait quelques courts-métrages pour voir un peu comment ça se passait. Combien, je sais plus, 3, 2. Il en fait 2 avant Soleil. Ouais. Et puis un jour, il a décidé de faire un film, un vrai film de cinéma, qui s'appellera Soleil, qui est dans le coffret, qui est le premier film qu'il a fait. Il ne connaissait quasiment personne pour trouver personne pour l'aider. Il avait 3,5 francs d'économie. Et il s'est adressé au CNC pour demander de l'aide, si on pouvait trouver quelqu'un qui pourrait faire la prise de vue de son film. Il se trouve que la personne à qui il s'adressait était amie avec un ami à moi. Et il a dit, ah ben moi je connais François Cattenay, peut-être qu'il pourra t'aider, etc. Et on s'est rencontrés, et bien sûr, quand j'ai vu cet homme animé de cette foi, de cette vigueur, de cette énergie, de cette colère, de ce talent formidable, et je me suis dit que je ne pouvais que l'aider, passer tout mon été à l'aider à faire son film. J'avais 25 ans, moi j'avais jamais travaillé. J'avais juste fait une école de cinéma. Et pendant quelques mois, de temps en temps, quand il avait un peu d'argent, on tournait en 16 mm, noir et blanc. Pas très beau ça, techniquement, c'était pas formidable. Mais il a réussi à mener son film au bout avec notre aide, et on était 5 à faire le film. Lui, moi, un caméraman, un copain à moi, un ingénieur du son, et sa compagne de l'époque qui organisait un peu le tournage avec sa Fiat 500 et pour transporter le matériel, la caméra, le pied, il n'y avait rien du tout pour aller tourner, les lampes, les quelques lampes. De temps en temps, on manquait de lampes parce qu'il y en avait qui cassaient. Donc je les rachetais moi-même, comme j'avais un petit peu d'argent de côté, pour qu'on puisse continuer à tourner. Et au bout de 3 mois à peu près, de tournage syncopé, avec des acteurs, l'aide d'acteurs, certains très très grands acteurs comme Bernard Fresson, Gilles Segal, Armand Meffre, Pierre Santini, etc. Et il a réussi à... Nous avons réussi. Les comédiens, c'était ceux qu'il avait rencontrés sur des tournages, ou bien ceux qui faisaient du doublage avec lui. Il y avait par exemple son prénom, merde, Hernandez, Gérard Hernandez, qui continue sa carrière 54 ans après, avec sur la 6. Et donc, et tous ces gens-là étaient, comme moi, quoi, subjugués par sa personnalité, un peu colérique, mais une personnalité tellement forte, tellement emballante, tellement de sincérité, tellement de révolte, c'était formidable. Et donc, ils sont tous venus, bien sûr. Bernard Fresson, qui était peut-être l'acteur le plus connu qu'on ait eu, qui a fait carrière chez Sautet, chez plein de metteurs en scène. Et voilà, on a fait le film, il a réussi à le monter, le film a été sélectionné à la semaine de la critique. Donc, c'était un démarrage qui était, par rapport aux moyens qu'on avait mis en œuvre, qui était un peu inespéré, quoi. C'était un film de copains, de miséreux, de train de savate. Oui, et il est passé donc à Cannes, la semaine de la critique, et ensuite il est passé à Locarno, où il a eu le grand prix de ce festival qui existe toujours, hein, le festival de Locarno, voilà. Et pour terminer le cheminement de Soleil, donc, a été fait en 1969, il y a 50 ans. Ça fait 56 ans. 56 ans, putain. Excusez-moi. Petit truc personnel. Et ce film qui risquait de terminer dans des boîtes rouillées avant que Cinéarchive s'occupe de rassembler le matériel que Med demande à Cinéarchive de rassembler ses films, il pouvait très bien... finir dans des boîtes rouillées, quoi. Et en 2017, miracle, la fondation de Martin Scorsese a demandé à un certain nombre de journaux critiques, universitaires, cinéastes, de faire une sélection de 50 films africains
pour les restaurer les uns à la suite de l'autre. Et Soleilio a été désigné en premier, hein, je crois. Oui. Ouais. Hein, en premier, donc on a fait la restauration avec les gros moyens. On a été dans le laboratoire à Bologne, grand laboratoire qui fait toutes les restaurations pour Martin Scorsese. Et le travail très bien fait de retrouver les copies, quelle était la copie, la vraie, etc. Très compliqué de trouver des éléments de bonne qualité. Voilà, Soleilio a été sauvé en 2017, restauré, et donc la copie qui a été mise dans le DVD est une copie de la meilleure qualité possible. Oui. Peut-être Fantal, ouais. Dis-toi, tu as découvert de mettre ouais. Et voilà. Ouais. Voilà, le premier film que tu as vu de lui. Ouais. Moi, je découvre Médondo au début des années 2010. J'avais présenté mes voisins avec Annabelle Alensad et donc j'avais raconté cette histoire-là que Médondo, moi, je le rencontre à travers ses prises de parole et ses prises de parole critiques. C'est un moment où moi, je suis venue dans le cinéma, bien sûr, comme spectatrice en tant qu'enfant, mais surtout via la critique. Je lis énormément de critiques de cinéma. Je pense que c'est hyper important d'en lire. C'était un moment où je commençais à écrire sur le cinéma, que j'essayais de trouver ma place au sein de la critique de cinéma française. Et c'était compliqué. Voilà, c'est comme le cinéma en France, c'est un milieu qui peut être très masculin, blanc, etc. Donc on cherche des figures autres. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais très active sur Tumblr, qui est une plateforme de blog, où s'exprimaient des jeunes femmes, des personnes racisées, queer, etc., qui essayaient de démonter un peu les canons classiques du cinéma. Et Médondo avait une très grande place dans ces espaces-là. Il y avait des images de Soleil Haut qui circulaient énormément, donc des screenshots du film, pas de très bonne qualité, c'était bien avant la restauration de Scorsese, etc. Et surtout des citations de lui, et des citations, à chaque fois que je le lisais, c'était « il désinguait quelqu'un ». Donc si c'était pas Jean Rouge, c'était Godard, si c'était pas Godard, c'était Aimé Césaire, et donc j'étais très... du coup, très intriguée par cet homme dont on disait qu'il était un réalisateur mauritanien africain, mais en tout cas qui avait fait son premier film en France. Donc j'étais très intriguée par cette figure-là, très attirée bien sûr, parce que moi j'adore ce type de personnes très franc-tireurs, qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui sont... Et qui ont pas de voilà, il y avait un truc un peu ni dieu ni maître chez lui, qui tout le monde pouvait y passer. Donc il y avait un de ses textes qui est très important pour moi, qui s'appelle en tout cas je crois en français Cinéma de l'exil, en anglais c'était Cinema of Exile, où il parle surtout des Biconègres en fait, qui est un de son deuxième film, son deuxième long métrage, ouais, qui est pas dans le coffret mais qui est un film important, où il parle de sa situation de cinéaste exilé, qui a tout de même, même s'il est en France, envie de créer un cinéma national africain, donc pas identitairement africain mais une sorte de projet politique utopique panafricaniste, donc qui repose sur une coopération, une solidarité des pays africains. Donc des Biconègres, il passe à ce que veut dire le cinéma africain pour lui. Donc il est très, il y a une sorte d'acuité, il est très intelligent, il écrit très bien. Et tout d'un coup, il parle des critiques de cinéma, ce qui est hyper rare aussi, des cinéastes qui parlent des critiques de cinéma en dehors de « les critiques de cinéma sont méchants ». Là, c'était vraiment, en fait, les critiques de cinéma sont hyper importantes. En fait, la présence et l'existence de critiques de cinéma signalent la bonne santé d'une industrie cinématographique. Et il disait aussi, il y a un peu un discours sur Médondo que même moi je peux véhiculer, qui est, ces films ont été mal montrés, qu'il y a eu de la censure, etc. Mais lui, il le dit dans ce texte que c'est grâce aux critiques de cinéma à l'époque aussi que son film, en tout cas Soleil Haut, a été montré dans les cinémas, c'est leur soutien à eux. Et il dit cette phrase qui est trop belle et qui est vraie, où il déclare un peu sa flamme pour la critique de cinéma française, ce qui est très
étonnant, vu sa critique en général du cinéma français. Il a été très soutenu par Michel Simon. Ouais, oui. Je vais nous voir sur le tournage. Ouais. Non, mais c'est ce qu'il raconte. Et du coup, ça a été. Non, mais j'avais posé une question, mais quelle critique de cinéma ? Parce que dans le cinéma français, c'est. Oui. Ouais, ouais. Oui, il cite pas de critique de cinéma, il dit les critiques de cinéma progressistes. Après, j'imagine. Michel Simon. Positif. Positif qui a toujours soutenu le cinéma, enfin un certain cinéma africain, aussi un certain cinéma noir américain indépendant aussi. Mais il en cite pas dans le texte. Donc pour moi, ça a été j'étais très contente de lire ça, cette lettre d'amour à la critique de cinéma qui est c'est très pertinent aujourd'hui même. On est à un moment où le cinéma semble menacé, en déclin, etc. Il y a un super dossier sur le site Critica, sur la place des critiques de cinéma, etc. Et donc pour moi, qui voulais être critique de cinéma, c'était hyper important. Et du coup, je découvre Soleil Haut, pour finir avec ça, vraiment illégalement, je télécharge sur un site qui s'appelle Karagarga, qui est un site où on t'envoie une invitation pour y accéder, tu dois être invité. Et c'était une copie vraiment, plus que bêta, dégradée, quoi. J'y suis plus, on m'a virée. Mais je sais plus si ça existe. Mais en tout cas, c'était un espace où j'ai découvert les films de Mati Diop, de Claire Denis. Enfin, c'est vraiment ce moment-là où je me fais mon propre canon de cinéaste. Et j'étais. Donc, ça, c'était début des années 2010. Et j'ai revu Soleil Haut, du coup, grâce à la rétrospective de Air Afrique. Qu'a coordonné JB et c'était une redécouverte quoi. Et moi, c'est une question que j'aurai pour François après. C'est la question du son et la direction sonore qui pour moi est majeure quoi. Il y a un truc autour d'une nappe sonore qui est un récit en soi, c'est-à-dire qu'on pourrait écouter le film et ce serait autre chose que ce qu'on voit en fait, les images qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce film. Est-ce que certains d'entre vous ont vu Soleil Haut ? Ok. Jimmy, vas-y. Ouais. Toi, t'as découvert de Mondo, pareil, et puis déjà Soleil Haut, peut-être. Moi, j'ai découvert Mondo il y a maintenant 2 ans, lorsque Cinéarchive, justement, avait organisé cette rétrospective au Grand Action. Et je suis allé voir les 3 films qui étaient projetés. Sarah Ounia, Soleil Haut et Les Biconègres et vos voisins, je crois. Et le premier film sur lequel je suis tombé, c'était Sarah Ounia, qui était d'ailleurs présenté par la sœur de Fanta. Et directement, moi, je suis tombé amoureux de ce cinéma-là, puisque c'était la première fois que je faisais vraiment face à un cinéma qui parlait des récits que moi, j'ai jamais connus en tant que jeune cinéphile. Enfin, je suis un cinéphile depuis très jeune, mais j'ai jamais vraiment été emporté vers un cinéma africain ou même qui n'est pas occidental, généralement. Et donc du coup, pour la première fois, j'ai pu voir un cinéma qui venait de mon pays, parce qu'en fait, ça se passait au Niger actuel, ça parlait peul, etc. Et c'était un langage que j'entendais pendant toute mon enfance et toute ma vie, puisque ma mère est peul. Donc c'était pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant et de frappant de voir qu'un cinéma existait dans ces zones-là. Ça peut paraître débile lorsqu'on le dit comme ça, mais lorsqu'on le découvre, c'est quelque chose qui est assez troublant. Et c'est ensuite que je suis allé voir les autres films qui étaient présentés au Grand Action, notamment Soleil Haut, qui pour moi était la véritable claque en réalité, plus que Sarah Ounia, puisque là on racontait clairement l'histoire de Noirs en Europe, et plus précisément à Paris. Une histoire qui m'est très personnelle. Et aussi pourquoi ça m'a marqué, c'est que ça a été un peu un cinéma et un film qui a été pionnier dans ce qui s'est fait durant les dernières années, les dernières décennies. Et c'est pour ça que j'ai attribué énormément d'importance à ce film-là et à ce cinéaste, en m'intéressant davantage à sa vie, à son œuvre et à l'homme qu'il était avant de faire du cinéma, tout simplement. Et j'ai vraiment trouvé en lui une espèce de super-héros, en fait. Il est incarné vraiment quelque chose qui, moi, m'était inimaginable. Et en fait, on a essayé, on a organisé cette rétrospective le mois dernier, parce que justement, dans le cadre de Air Afrique, on organise un ciné-club tous les mois au cinéma Christine, dans le 6e arrondissement, car selon nous, il est primordial de montrer ses films à une audience qui n'est pas forcément attirée au premier œil à ce genre de cinéma. Et justement, ensuite, créer des discussions autour de ces films, parce qu'on a tous une réaction différente, et surtout une réaction qui est extrêmement intéressante à voir, tout simplement.
Et aussi, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est lorsqu'on discute de films. Parce que pour moi, c'est comme ça, en fait, qu'on construit l'avenir de la profession et l'avenir aussi de la cinéphilie, des cinéastes, etc. Et montrer ce genre de film, c'est, même si on l'a montré devant 145 personnes, ça ne représente pas énormément de monde à l'échelle de la France ou même du monde. Mais du moins, ces 145 personnes-là, ouais, mais du moins, ces 145 personnes-là vont parler du film autour d'eux, etc., créer de la discussion. Et enfin, franchement, c'est quelque chose qui nous a extrêmement marqué. Et c'est très important de le faire, puisque Mendondo, malheureusement, il n'est pas mort dans l'oubli, mais il est mort sous cette posture de doubleur. Malheureusement, on l'a souvent considéré comme juste doubleur, alors que sa carrière de cinéaste et de réalisateur est tout simplement immense, et il a inspiré les plus grands, enfin Scorsese dit que c'est l'une de ses inspirations, etc. Et je dis pas ça pour légitimer la place de Mendondo, mais son cinéma est très 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 pointu, très 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 exigeant, et c'est quelque chose qu'en fait qu'il faudrait plus démocratiser afin que ce soit pas dans l'oubli. Et c'est pour ça en fait qu'on organise cette rétrospective-là, et que j'entretiens ce lien très affectif avec son cinéma. Pardon. Non, parce que je veux dire, on parle de Mendondo et d'un film, mais en quelques mots, il me semble qu'il faut dire ce que c'est Soleil. Soleil, c'est l'histoire, le premier film qui raconte l'histoire d'un Africain qui arrive à Paris, plein de rêves de la belle France, et qui va essayer de s'intégrer, et on se doute de ce qui va lui arriver, que ça va être quand même très compliqué, qu'il va subir des choses très désagréables. Voilà. C'est le premier film. 1969, hein, je crois qu'il n'y en avait jamais eu. Il y avait peut-être eu des petits documentaires, des choses comme ça, mais jamais un film de fiction dont le personnage était un immigré qui arrivait à Paris. Et c'est toujours d'actualité. En 1966, il y a Désiré Carré, le réalisateur ivoirien, qui, lors de sa scolarité à l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS, a réalisé un moyen-métrage, justement, qui mettait en scène... un jeune ivoirien qui était étudiant, un jeune ivoirien qui faisait ses études à Paris, et c'était un peu le premier film justement qui mettait des noirs en avant, mais ça n'a pas été distribué au cinéma. Non, mais historiquement, ça marque. J'ai des souvenirs aussi de films qu'on avait passés, mais c'était encore une fois le film de Chris Parker, Le Joli Mai, ou Chronique d'un été, je ne m'en rappelle plus, où il y a des personnages, évidemment, qui étaient des Parisiens, des Africains qui arrivaient à Paris et qui étaient interviewés. Et voilà, c'était des visages parmi tant d'autres, mais il n'y a jamais eu, moi je n'avais jamais vu de film où le personnage principal, le sujet principal, c'était peut-être ça. Et ce qui est étonnant quand on voit Soleil Haut aussi et surtout, c'est la façon dont, évidemment, c'est une année de 66. C'était 67, 60, voilà, 68, mais c'est la façon dont il résonne aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand on veut se dire 67, on parlait d'une sorte de racisme ordinaire comme ça, 69. Il y a un racisme. Oh, oui, alors c'est 69. D'accord, ok, 69. Oui, tout à fait. Non, t'affoles pas, François. Mais non, ce qui est étonnant, c'est il y a ce racisme au quotidien, on parle d'invasion noire. La façon dont ça fait écho aujourd'hui avec les thèmes de grand remplacement, on dit mais rien n'a changé, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est très fort, à ce niveau-là et qui est tout aussi violent. À la différence que j'ai l'impression qu'à l'époque, et le propos du le personnage principal de Soleil Haut est très imprégné de politique. Il y a quelque chose de très politique, je trouve, dans les réunions, on a l'impression que les gens étaient, c'était aussi cette ère du temps-là, mais que marxisme-léninisme ou les mêmes conditions ouvrières, il y avait des ces choses-là faisaient partie de la sorte de pas de vulgate, mais voilà. Aujourd'hui, on sent que ça se repolitise, mais il y a eu quand même un gros vide. Fanta, tu voulais dire peut-être un mot sur que le film aussi très ancré dans ce cinéma militant même de qu'a produit Mai 68 et qui est voilà, il y a un truc très nostalgique aussi. De ce cinéma-là. Puis, je pense à une scène, même cette scène de drague avec ce qu'on peut représenter le couple mixte. Je trouve que cette scène est incroyable. La scène où ils sont tous les deux, où ils se bécotent sur la place publique, on voit toute la réaction. On voit, et,
Grande Blonde, voilà. Et on voit toutes les réactions des passants. Et j'imagine que c'était une caméra qui était plutôt cachée et c'était plutôt Non, mais les gens qui regardaient n'étaient pas des comédiens, je pense pas. On filmait les réactions des gens. Oui, voilà, c'est ça. En direct, oui, avec un objectif, pour pas être à côté d'eux. Mais voilà. On leur laissait de l'espace, mais on a filmé que la vérité des réactions des gens, voyant le personnage de Soleilio, qui était l'acteur Robert Liensol, et qui était au bras d'une grande blonde. Mais ce que je voudrais ajouter quelque chose pour parler aussi du DVD, parce que là on parle de ce qu'est le choc de l'arrivée de Soleilio dans notre univers. C'est que Med, dès le début, il était extrêmement politisé, mais il avait vraiment l'ambition de faire du spectacle. C'est-à-dire que ces films politiques soient des spectacles. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Saraounia et qu'il a fait aussi le West Indies qui est sur le coffret, qui se passe sur un bateau. On avait fait construire. Alors là, il avait un peu d'argent, un immense bateau qui faisait 67 mètres de long dans la grande nef des usines Citroën qui étaient désaffectées. Et donc, à l'intérieur d'une usine, c'était assez symbolique, à l'intérieur était posé le bateau de l'esclavage, de la traite des Noirs, etc. Et sur ce bateau, on racontait toutes les histoires que Med avait envie de raconter, aussi bien les problèmes. Il y avait aussi de la danse, il y avait des scènes réalistes, mais il y avait aussi des scènes de spectacle pur. Et ça, c'était vraiment une de ses ambitions à Med. Et le décor était magnifique, il avait été fait par le décorateur de Alain René, Jacques Saunier, qui était un immense décorateur. Je précise pour que tout le monde... On parle de West Indies, donc le deuxième film qui est dans le coffret, qui est de 79, qui est une sorte de comédie musicale, succession de tableaux, comme ça, de tout ce que tu viens de dire. Et quand tu parlais de Saraounia, c'est un film qu'il a fait en 86, c'est un film d'époque, qui raconte l'histoire d'une reine du Niger et de colonne française pendant la colonisation française, 19e siècle. Voilà, pour resituer, on balance comme ça des titres de films, mais que vous arriviez à resituer les choses et à nous suivre. Voilà. Non, alors après, c'est juste, je ne sais pas si c'est bienvenu, mais je me disais, ça pourrait être peut-être intéressant aussi de jouer un des extraits que j'avais ramené. Alors, en fait, si on fait un petit bond en arrière, on parlait de la vie de Med Hondo dans les années 60 à Paris. Donc dans ces années-là, il tourne deux courts-métrages. En 65, il tourne Balade aux sources. Et en 67 ou 69, en fait, les dates, c'est les versions... En 67, j'avais jamais fait de cinéma. Ouais, je parlais de son deuxième court-métrage, du coup, où il y a deux dates qui circulent. Non, je vais pas dire ça. Et ouais, je sais, il faut que j'aille sur Wikipédia. Et ils veulent pas. Ok. Il y a beaucoup de. En fait, il y a une vraie question qui se situe aussi sur la question des versions et des dates dans sa vie, puisque en effet, il est commun de dire qu'il est né à Aïn Beni Mattar en 1936, mais aussi à dans une autre ville que j'ai plus à l'esprit, en 35. Ça, c'est ce qu'on a dans ces documents officiels. Je sais, j'ai vu l'entretien, mais c'est vrai que son biographe attitré, Aboubakar Sanogo, lui dit qu'il est né en 1935. Enfin, voilà, il y a une question aussi, la question des versions, des dates, qui est très, quelque chose de très flou, mais qui dit aussi quelque chose sur la production des films et sur le fait qu'à cette époque-là, nombreux cinéastes revenaient aussi sur leurs films. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut réfléchir quand on pense au film de Med Hondo, parce que par exemple, on parlait des Biconègres, qui est donc son deuxième long métrage, qui est une sorte de documentaire avec des scénettes, de la fiction aussi intégrée à l'intérieur de ce docu. C'est un film qui tourne en 73, et la version qui tourne en 73, elle dure 2h40. Et c'est un film qui va remonter en 84, en tournant la scène finale du film, et en faisant une version qui durera 1h40. Et le propos du film change complètement. Puisque la version qu'on a pu tous voir, ou presque, donc au Grand Action ou dans d'autres projections récemment, et puis la version donc de 84, qui est la version officielle qui circule finalement maintenant, à la fin, la résolution du film, qui est un film qui par ailleurs part de base
de la lutte pour un meilleur logement de travailleurs immigrés, des foyers Sonacotra du 15e arrondissement de Paris. La résolution du film, c'est le message clair et direct, c'est il n'y a rien à faire ici, rentrons en Afrique. Tandis que dans la version qui dure 3 heures, quasiment 3 heures de 1973, la résolution du film, en fait, le film n'est pas résolu. Le film reste en suspens et continue de suivre ses luttes pour un meilleur logement. Donc voilà, c'est juste pour aussi expliquer pourquoi il travaille les versions, c'est parce qu'en fait aussi la pensée critique, enfin sa pensée évolue et que le message doit être multiplié, ravivé, intégré, répété, puisqu'il lui sera aussi reproché d'être didactique. Et qu'à ça, il répondra que pour lui, le didactisme, c'est l'outil le plus utile et le plus efficace pour parler pour les Africains et aux Africains. Voilà. Et ouais. Alors du coup, je voulais vous montrer cet extrait-ci, donc VTS, machin. Et si vous pouvez le mettre à peu près 11 minutes. Ok. Sur VLC, il s'ouvre comme il faut. Ouais, si tu peux le mettre à 11 minutes. Si tu y arrives. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est juste qu'à 11 minutes, on les voit. En gros, c'est un film. Peut-être que si tu l'avances, je peux en parler en attendant. Si tu le mets en mute. Voilà. Alors, le film... Non, ça, c'est le deuxième extrait. Bon, on peut regarder les trois extraits, comme ça, ce sera fait. C'est juste que voilà, donc ce film que, enfin cet extrait de film que je vais vous montrer, c'est un téléfilm dans lequel a joué Medvondo. Donc on parlait de sa carrière de comédien. Ça, c'est un film qui a été tourné en 66 par Jean-Christophe Averty, qui était enfin réalisateur de films pour la télé, mais de films assez avant-gardistes. Et donc là, ce film, c'est Les Verts Pâturages et ça reprend des parties de l'Ancien Testament qui sont intégrées, qui sont jouées à l'intérieur d'une sorte de comédie musicale qui situerait en Louisiane. Voilà. Dans ce film. Ah ouais ? Ok, alors... bon. C'est étonnant. Non, mais écoute, c'est pas grave. On peut se mettre ici, c'est juste que je suis pas sûre qu'on verra Med dans cet extrait. Donc dans ce film, Med joue aux côtés de nombreux acteurs et actrices antillais à l'époque qui sont à Paris et qui font partie de la compagnie Griot-Shango, qui est une compagnie qui sera montée entre autres par Robert Liensol, qui sera son acteur fétiche que vous retrouverez dans Soleil Haut et dans West Indies. Et voilà, c'est lui. Et donc dans ce film, Robert joue Dieu et Med Hondo joue l'archange Gabriel. Et la partie que je vais vous montrer, normalement, est située à la fin, où on les voit discuter tous les deux, mais je suis pas sûre. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, c'est pas grave, peut-être lance-le, ouais. Voilà, du coup, on peut voir dans ce film, donc il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices de l'époque. Il y a Théo Légitimus qui sera aussi dans Soleil Haut et aussi dans West Indies. Il me semble qu'on y voit Toto Bissant. Et ces gens-là font aussi partie donc, de cette compagnie de théâtre qui s'appelle Griot-Shango et qui sera montée à l'époque, entre autres, par Julien Sol. Et puis on peut aussi voir du blackface. Bon, bah voilà, après on est dans cette époque-là.
Est-ce que je... Non, bah, du coup, on passera aux autres extraits après. Ouais, je me dis, tant qu'à faire, regardons-les d'un coup. Ça... Et en tout, il y en a... Alors, en fait, il y a la compagnie des griots, et lui, avec Linsol, en parallèle, vont faire la compagnie griot-chango. Voilà, oui, oui, oui. Mais la compagnie des griots préexiste à la compagnie griot-chango. Voilà, bah, donc ça, cet extrait, j'aime bien le montrer parce que c'est assez particulier comme film. Et puis aussi, on peut voir en fait la racine, pourquoi Med travaille avec ces gens-là dans ces films. Bah, c'est aussi parce qu'ils sont croisés sur différents tournages. Le deuxième extrait, ça va être l'extrait celui-ci là-haut. Ça va être un extrait d'un film qui est à l'intérieur de notre fond, qui s'appelle Ben Chavis, les 10 de Wilmington, qui est un film qui parle donc de ce pasteur Ben Chavis, qui est emprisonné à ce moment-là, alors que, pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est un film qui a été réalisé par Jean-Daniel Simon et qui va à l'époque qui va retentir aussi beaucoup parce qu'il y aura une interview de Angela Davis dans le film qui prend position pour la libération de 10 de Wilmington. Et du coup, c'était aussi intéressant pour moi de vous montrer cet extrait parce que, déjà, c'était toi qui m'en avais parlé. Je ne sais plus dans quel cadre tu l'avais vu. Mais en tout cas, ce que je trouvais chouette dans cet extrait, c'est qu'on voyait que Med faisait aussi du doublage pour d'autres films que des films de comédie avec des acteurs afro-américains dedans. Donc voilà, c'était... Si tu veux ajouter quelque chose... Orienté. Complètement. Donc voilà cet extrait. C'est Ben Chavis. Mais à Wilmington, on se heurta à une résistance violente. Alors je suis venu comme militant des droits civiques pour aider mes frères et sœurs à s'organiser. Nous tenions nos réunions dans une église ouverte. Nous nous organisions pour obtenir l'intégration. C'est pour cela que nous avons été attaqués. Nous avons été attaqués par le Ku Klux Klan. Cette organisation pour la suprématie des Blancs est toujours très active, très violente. Ils nous ont attaqués dans l'église. Ils ont tiré sur l'église. Ils nous ont tiré dessus. C'est nous qui avons été victimes de leur violence. C'est nous qui avons été attaqués. Et un an plus tard, c'est nous qui avons été arrêtés. Aucun membre du clan, aucun de ceux qui nous ont attaqués n'a été inquiété. Nous sommes en prison. Pourtant, nous sommes totalement innocents. Nous ne sommes pas en prison pour les actes criminels, mais pour notre action politique. Nous sommes des prisonniers politiques. This which was elected by the Ku Klux Klan. Vous donnez 73, il me semble. Et du coup, le dernier extrait, c'est juste, c'est la bande-annonce du coffret. Je l'ai pris parce qu'on y voit dedans des différents extraits des films dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et du coup, c'est aussi pour que vous ayez un peu à l'image, des images des films à l'esprit, quoi. Thank you.
date pas vraiment, pas vraiment au final, respectée. Je veux rebondir sur West Indies, vu que c'était les dernières images du film. Oui, de la bande-annonce. Oui, mais les dernières images de la bande-annonce montrent comment Médondo, sans renoncer à son discours politique dans ses films, faisait du spectacle. En l'occurrence, on est dans West Side Story. Et c'était des images de West Indies, son deuxième film de fiction, que j'ai fait avec lui aussi. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis sur West Side Story, c'est intéressant parce que moi, au travail, j'ai accès à des synopsis d'époque, et le synopsis en anglais s'appelait West Indies Stories. Ah oui. Donc je me demande s'il n'y avait pas un jeu de mots là-dessus aussi. Le film de Médondo, au début, s'appelait West Indies Story. Okay. J'en ai entendu souvent nommé comme ça, et puis ça a disparu, le troisième terme. Et donc, après Soleilio, un succès critique pas mauvais, puisqu'il y a eu des prix, etc., pendant 9 ans, Med n'a pas réalisé de film. Et moi, j'en ai profité pour faire une longue carrière d'assistant réalisateur, d'assistant opérateur, sur des films de Polanski, Louis Malle, Francis Weber, Alain Corneau, etc. Et après 9 ans comme assistant, Med a réussi à se monter un film et m'a demandé de le faire avec lui. Et là, vraiment, je suis devenu chef opérateur. Donc. Et là, j'avais du métier. Là, c'était pas comme pour Soleilio. Heureusement, quand vous voyez le décor, vous verrez que c'est impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai été très impressionné les premiers jours de tournage. Deux questions. Quelles étaient ces... Ben, au-delà de vouloir raconter cette histoire, une sorte de contre-histoire comme ça qu'on ne voyait pas au cinéma, mais quelles étaient déjà ses influences cinéphiliques? Déjà, quel film il avait vu et quel réalisateur il respectait, je ne sais pas. De quel réalisateur il s'inspirait, première chose. Et deuxième chose, quel rapport il avait avec le cinéma américain? Parce que c'est qui est contemporain, la Blaxploitation, on peut, je sais pas, Melvin Peebles, toute cette vague-là, elle existait. Donc comment il dialoguait, lui, avec ça, ou comment je sais pas si vous avez... J'avoue que je serais incapable de faire un topo là-dessus. Non, mais vous... C'est vrai que je vois jamais Mélando cité. Prends le micro, je veux bien que tu prennes le micro. Dans ses prises de parole, je le vois vraiment... jamais cité de cinéaste ou de mouvement cinéphile. Moi, je sais, par contre, il y avait ce truc, pour rebondir sur le doublage, qui est que il avait, de toute façon, une grande critique des cinémas dominants, qu'ils soient hollywoodiens ou français, occidentaux, mais en même temps, il y avait ce truc où il avait vraiment besoin que les acteurs noirs aient du boulot, puisque c'était aux États-Unis, puisque c'était ce job alimentaire de doublage qui lui permettait de financer ses films. Donc je le voyais pas dire j'ai besoin que Melvin Van Peebles fasse des films, mais en tout cas il avait besoin que ses films existent pour lui pouvoir financer ses films. Et puis je pense pas forcément, après, en réfléchissant, qu'il était inspiré par la Blaxploitation, parce qu'en réalité son cinéma était drastiquement opposé, dans la mesure où dans la Blaxploitation, souvent les rôles qui étaient incarnés par ces acteurs noirs étaient très 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 ils étaient très clichés, quoi. C'était vraiment le proxénète, le voyou, etc. Et si on pourrait rapprocher son cinéma avec des cinémas, je pense, qui existaient avant lui, moi je pense plutôt par exemple à Cassavetes, avec Shadows par exemple, qui mettait en avant des personnages noirs qui étaient, des jazzmen, des pianistes, etc., qui eux aussi galéraient, en fait, tout simplement, comme dans Soleil Haut. Et moi, je rapproche plus à cette nouvelle vague-là, en fait, de New York, ou même d'autres, comme Jonas Mescas, etc., qui étaient américains. C'est ça. C'est vraiment ces rapprochements-là que j'arrive à faire. Après, je suis pas sûr, mais du moins, c'est ce qui ressemble le plus. Et je pense que pas mal de réalisateurs, on va dire français, ou même africains, ont été inspirés par cela. Et aussi...
Ça, c'est sûr, par exemple, le néo-réalisme italien, je sais qu'il a vachement été inspiré aussi par ça, par Rossellini, etc. Mais comme tous les cinéastes mondiaux du monde de l'époque, et ça, par contre, je l'ai vu dans le podcast qui a été fait sur France Inter, je crois, sur Mélondo. Voilà. C'est plus son rapport au cinéaste plus largement. Faut savoir que du coup il est producteur de ses films. Ça intervient après qu'il réalise Soleil, où là il va avoir un souci avec la distribution de son film, où finalement il va toucher aucune recette sur le film, et ça va vraiment le décider à juste produire, distribuer tous ses films, ce qui va aussi faire qu'il va mettre plus de temps, j'imagine, à produire ses films. Mais du coup, à l'intérieur de cette société de production qui va d'abord s'appeler Les Films du Soleil, puis MH Film, il va aussi soutenir d'autres films de cinéastes africains. Je pense notamment à Elie Jérima, qui est par ailleurs aussi un pied aux États-Unis, dans l'idée de comment il se lie à des cinéastes à cette époque-là, outre-Atlantique. Et puis, bon, après, voilà, là, c'est un spectre plus large, mais il va aussi participer à la création, enfin, être même l'impulsion de la création du Comité africain des cinéastes, qui va être une association qui aura pour but de travailler à la diffusion du cinéma africain sur le continent africain. Puisque ce qui reprochait beaucoup, c'était la dominance, je sais pas si ça se dit, du cinéma occidental dans les cinémas africains du continent. C'est pas des chiffres, c'est pas des exemples très concrets, mais je sais que deux sociétés dont les parts et dont les gérants étaient français, et donc deux sociétés françaises géraient énormément de cinéma, par exemple au Sénégal. Et ça, c'était des choses qui concrètement reprochaient à l'intérieur du manifeste du CAC, donc du Comité africain des cinéastes. Et à l'intérieur de ça, il va œuvrer à la distribution de plusieurs films de ces cinéastes-là, donc Bouche Mama de Haïli Jérima. Une autre question, pour tous les quatre, mais pour pas du tout crever l'abcès, mais le fait qu'on en connaît son travail de doubleur, donc pour pour Eddie Murphy, pour Morgan Freeman, donc un doublage qui caractérise ces personnages-là. Est-ce qu'on peut pas y voir un paradoxe, quelqu'un qui va caractériser un personnage, les personnages que jouait Eddie Murphy sont assez caricaturaux, peuvent être à certains moments assez caricaturaux de comment est représenté l'Afro-américain dans le cinéma américain, et le fait que lui caractérise le personnage noir, vous avez vu la polémique, dans Le Roi Lion, ou Jeremy Irons. Faisait le doublage du Roi Lion, et c'était Eddie Murphy d'ailleurs, je crois, qui jouait les hyènes, par exemple. Voilà, ouais. Il y avait cette opposition là. Et une radicalité de son cinéma, des remises en question des représentations, de vouloir proposer quelque chose, une histoire déterminée, tout ça. Est-ce que lui a réagi, ou s'est posé ces questions-là, ou c'est, je sais pas s'il y avait à justifier, il fallait qu'il gagne sa vie aussi, je sais pas. Mais faut bien manger. Mais lui qui avait une haute idée de son métier d'artiste, c'est quand on lit sa bio, c'est juste qu'il nous saute aux yeux, c'est dire il a fait des films ultra radicaux, et en même temps il a caractérisé des personnages. Moi je sais pas. François, t'en parles dans l'entretien. Non, je ne vais pas poser des questions sur... mais t'es un peu en contradiction avec tes idées dans la vie en doublant ces gens-là. Non, je veux dire, c'était son gagne-pain. Je veux dire, c'est assez dur. On imagine comme ça que son trajet était d'une dureté incroyable. Et donc, il avait cette chance d'être bien payé pour faire les doublages. Il allait quand même pas refuser de les faire pour des questions de principe. Et d'ailleurs, Ouais. Et par contre, à un moment d'ailleurs, il était très actif dans le doublage comme défenseur des conditions de travail et de salaire des gens qui faisaient le doublage, à tel point que comme il s'était un peu trop montré, puis en plus on le voyait bien, le noir parmi les blancs, et ils l'ont viré. Et ils ont décidé que c'est quelqu'un d'autre qui doublerait Eddie Murphy.
Je crois que c'est là que les Américains ont dit non, c'est Med. C'est Med Hondo qui est la voix d'Eddie Murphy, on ne veut pas changer. Parce qu'il avait une fois que vous l'aurez repéré, je ne sais pas si certains ont repéré cette voix, mais une fois que vous l'avez repéré, vous le reconnaissez à chaque fois qu'il double un personnage ou un animal, parce qu'il a une voix très... Pareil pour Eddie Murphy, il a une voix extrêmement chantante, pleine de fantaisie, qui monte, qui descend, et quand il double Morgan Freeman, on ne peut pas imaginer que c'est la même personne qui a doublé les deux, parce qu'il n'a pas la même voix. La tonalité de sa voix n'est pas la même. Il avait un... une tessiture incroyable et très chantant parfois. Et on le repère, mes enfants, à chaque fois qu'on passait à la télé un film d'un seul coup et qu'ils voyaient, ils disaient « Ah, c'est Med Hondo !» Alors que c'était Eddie Murphy ou l'homme de Shrek. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, il faut bien manger quand même. Et puis, il faut produire ses films. Et puis, tu peux pas te mettre complètement dans le désert en haut d'une colonne. C'est pas... Même si tu es évidemment révolté comme il l'était. Voilà, c'est pas se mettre, mais c'était une question qu'il aurait pu. Je pense qu'il s'est posée. J'imagine qu'il a dû se la poser. Oui. Et encore une fois, c'est des voix qui sont très caractéristiques. Il a répondu. C'est pas une voix anodine. Ouais. Ouais. C'est une voix de black, en fait. Ouais. Voilà. Et clairement, et comme vous avez pu le voir dans l'extrait là sur Ben Chadi, c'est ça. Il est très conscient de ce qu'on lui demande de faire quand il double Lan ou Rafiki ou Eddie Murphy, et ensuite quand il double un militant afro-américain, sa voix est neutre. Donc ça, c'est des demandes presque commerciales. Enfin, moi, il y a un truc qui me fascine de toute façon dans le doublage en général, que Med Hondo aussi soit, oui, ce que tu disais, Jeremy Irons, c'est quand tu regardes Le Roi Lion maintenant, tu te poses la question de pourquoi le seul personnage qui a un accent africain, c'est le singe. Et après, tu dis derrière le singe, il y a Med Hondo. C'est hyper vertigineux. Moi, ça me le rend hyper impur, enfin humain, du coup. Il nous ressemble, en fait, parce que, comme nous tous, on a besoin de... Parfois, on fait des trucs. Non, mais en clair, pour la pub. Alors mais dans un circuit commercial, il est Yann Zakrout. Et ouais. Dans un circuit indépendant, il est ultra radical. C'est ça. Mais il tient les deux bouts. Mais il peut être que radical s'il fait le truc un peu impur. Ouais, puis ça me fait penser. Alors, c'est une citation que je ne cite pas très bien de Audrey Lorde, mais c'est l'idée d'utiliser les outils du maître pour travailler. Enfin. Pour travailler à avec ses propres agendas et dessins. À la fin, il y a aussi cette idée-là de comment tu prends l'argent puis tu le réinjectes dans des choses. Enfin, Par contre, au début des années 70, un discours que j'ai souvent entendu de sa part, y compris aussi de Gérard Hernandez, parce que à cette époque-là. C'était pas rare qu'on demande de faire un Africain à Gérard Hernandez, qui parlait petit nègre, et qu'il le faisait avec le style de l'époque. Et donc la revendication de Maître, c'était les Noirs doivent être doublés par des Noirs. Ça, c'était important. C'est moins contrôlé, ça. Et pas de faire... Et tu vois. Des caricatures d'accent africain. Et à l'époque, c'était une revendication, une vraie revendication. À l'époque, c'était une vraie revendication. Et si tu veux, il y en avait tellement de revendications qu'il n'allait pas mettre en danger son salaire. Il fallait quand même de temps en temps. Il s'était fait virer aussi parce qu'il avait été, il avait revendiqué en tant que syndicaliste. Tu vois. Syndicat auquel il a participé à la fabrication, enfin, moi c'est ce que j'ai dans mes petites archives, il a participé à la fabrication de ce syndicat, création de ce syndicat. Donc tu peux pas être tout le temps au premier rang avec le drapeau. Moi j'ai été syndicaliste dans le cinéma, une ou deux fois tu sors le drapeau et puis t'es blacklisté. Ça m'est arrivé, et ça faisait très longtemps que je faisais plus de syndicat parce que ça prend du temps. Et un producteur dit « Ah, Franck Attenay, oh, c'est un syndicaliste, on va pas le prendre, tu vois ?»
Alors Med, je trouve qu'il se mouillait quand même beaucoup dans sa pratique du métier. Je parle pas de son cinéma militant. Mais par contre, peut-être que vous avez envie de poser des questions, parce que comme vous connaissez peu son œuvre, peut-être qu'on parle de choses et que vous auriez envie d'une ou deux précisions, je ne sais pas, sur... Par exemple, je ne sais pas, Walter, mais toi, Walter, qui est donc ici, il a travaillé au mixage son de la bande de bonus DVD du film, qui reprend des extraits de l'entretien que tu as réalisé avec Med Hondo. Oui. Qu'a dit. Et qu'est-ce qui est pas... Si, c'est un montage de 15 minutes d'une partie de l'entretien où il parle que Sarah Ounia. Et du coup, je sais que toi, t'avais... Enfin, peut-être que t'as des questions, parce que t'as quand même passé beaucoup de temps avec cet entretien qui dure quand même 3 heures. Si, bah, en fait... Je voulais revenir sur ce que t'avais dit. En fait, moi, j'ai découvert Med Hondo, justement, en bossant sur le DVD. Mais j'ai vu aucun de ses films. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de son rapport à la musique et les créations sonores. Voilà, t'as dit quelque chose, moi, qui m'a interpellé. Ouais, je sais pas comment vous avez travaillé ensemble sur le son, s'il y avait des spécificités. Tu parles de quoi? Des films de fiction ou interview? Ouais. Non, des films de fiction en général. Des films de fiction? Toute la séquence où, avec le couple mixte, et il y a des bruitages d'animaux, etc. Est-ce que ça, c'est un truc... Non, il avait pas du tout l'idée. Parce que quand on a fait cette scène d'improvisation de mettre un beau noir et une grande blonde au milieu des Champs-Élysées, on n'imaginait pas ce que serait la scène à la finale. On n'imaginait pas que ce serait un concert de racisme autour d'eux. Et donc à tel point qu'il a mis comme son sur cette séquence des caquetages de poules. Et je trouvais que c'était assez bien. Mais il n'en avait pas l'idée a priori, il a dû avoir cette envie quand il avait des bruits de basse-cour, il a dû mettre ça quand il avait quand il a monté la scène. Mais je pense pas que Med était un très branché sur la musique, hein. J'ai pas l'impression. Il l'utilise dans ses films, mais c'est pas un... La musique dans Soleil Haut, il y a plein de moments chantés dans Soleil Haut, il y a West Indies. Oui, dans West Indies, beaucoup, oui. J'utilise une belle chanson dans Mes Voisins aussi, je ne me rappelle plus du titre, mais quand même, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi lié avec même sa voix. C'est aussi un cinéma où ça parle énormément, où vraiment, j'ai l'impression que, je ne sais pas si Med, il aurait pu faire du cinéma autant du muet, parce qu'il y a un truc où ça parle énormément, il y a beaucoup de dialogues, où il y a des cris à la fin. Enfin, il y a un truc au niveau de la voix, moi, qui participe aussi à ce truc de sonore, où j'ai l'impression que c'est vraiment fondamental dans son cinéma, en tout cas. Et donc, du coup, j'étais très curieuse de savoir, comme toi, à quel point il en parlait. Non, du tout. Et donc dans le DVD, elle me l'annonce ce soir, il y a 15 minutes d'une interview que j'ai faite de Med, parce que quand il était en... C'est 78, hein, que je l'ai filmé. 2018, c'est 3 mois avant sa mort. Ouais, quelques mois. Il avait une telle vie curieuse, partant du désert mauritanien pour arriver acteur, doubleur, metteur en scène, producteur, que je voulais qu'il me raconte son trajet depuis l'enfance. Voilà. Alors donc c'est 15 minutes je l'ai filmé pendant 3 heures, enfin 3 fois 1 heure, tant qu'il pouvait résister parce qu'il était très très malade. Et donc il y a 15 minutes de cet entretien, je suppose que c'est les meilleurs moments... Qui parle le mieux de Med. En fait, c'est ce bonus-là, il est, vous verrez dans le DVD. Il y a, sur le premier DVD, il y a Soleil Haut, et en bonus, il y a Mes Voisins, qui est en fait un film qu'il a fait, un moyen-métrage, qui fait partie du Débit Connègre, Vos Voisins. Donc, le film dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui-même a 2 versions. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on navigue dans ces films. Sur le deuxième DVD de West Indies, il y a un making-of inédit, complètement inédit, parce que sur lequel t'as aussi travaillé au son, parce que c'était quand même très compliqué. Non, personne l'a jamais vu, parce qu'en fait, c'était 2 bandes 16 mm
de bout à bout de Rush tourné pendant le tournage de West Indies. Donc voilà, il y a toute une partie construction du décor, il y a une partie où on voit un peu des répétitions, on entend Med aussi donner des instructions, on voit François, du coup en 79, et moustachu complètement. Et voilà, c'est un travail qui a été de longue haleine parce qu'il y avait du coup des rushs à nettoyer, fallait refaire les courlures, fallait les numériser. Une fois que c'était numérisé, il fallait essayer de synchroniser le son qu'on avait. Et le son était en très mauvais état. Walter m'a un peu aidé à essayer de reconstituer tout ça et c'était compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un bonus. Vraiment complètement inédit autour de ce film et c'est vraiment très précieux parce qu'on y voit aussi beaucoup de tous les acteurs actrices qui sont sur ce film mais aussi les figurants qui sont nombreux très nombreux et en plus du coup j'ai pour un peu comprendre qui avait à l'image j'ai convoqué la mémoire de François Cattonnet, de Abdoul Ouar qui était son assistant pendant plus de 30 ans qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui est une source inépuisable de références autour du cinéma de Medondo, et Marianne Mathéus, qui est une chanteuse et danseuse haïtienne, qui est à l'intérieur du film. Donc voilà. C'est pas que je fais la pub du DVD, mais en tout cas, sachez que si vous achetez ce DVD, vous aurez ce bonus qui est incroyable. Non, mais c'est ces trois films les plus importants. Quoi. Quand on a vu les trois films, on a une idée exhaustive de son cinéma. Et en bonus de Sarah Onia, du coup, il y a un montage des parties durant lesquelles Med parlait de Sarah Onia à l'intérieur de ces 3 heures d'entretien que François a réalisé avec lui. Voilà. Et au début, il parle aussi du début de sa vie, ce que tu évoquais tout à l'heure. Quoi. Est-ce qu'il y a peut-être une heure qu'on parle, peut-être une question ? Non. Non. Oui, toujours. Pour Soleil, je l'ai dit, il y avait Ben, moi, un caméraman, l'ingénieur du son et la compagne. Après, on a fait le tournage. Peut-être juste une dernière question globale. Où est-ce que vous voyez l'héritage, peut-être aujourd'hui, de du cinéma de Medondo, je sais pas, peut-être chez des comédiens, peut-être dans le théâtre, peut-être dans les représentations, où est-ce que vous le voyez, ou dans des écrits, peut-être, où est-ce que vous voyez... Moi, je vais pas répondre à ça, quelqu'un d'autre va répondre. Oui, mais on va faire un tour. Fanta. On va répondre. Mais... Non, tu ne vas pas répondre, mais tu réponds. Mais bon, il y a Sanogo qui s'occupe beaucoup, Aboubacar Sanogo, qui travaille beaucoup sur l'œuvre de Med. Moi, ma réponse à ça, ce serait que quand ça a été des années et des années et des années où il n'existait que peu dans le cinéma, où on ne parlait pas de lui, et depuis qu'il est mort, il se passe plein de choses autour de ce cinéaste, plein de gens le découvrent, plein de gens viennent me dire « Mais c'est un grand cinéaste, pourquoi on ne le connaissait pas ?» Et l'autre jour, j'ai tourné un court-métrage, la directrice de production, quand elle a su que j'avais fait Soleilio, qui était quand même un peu connu, elle m'a dit, c'est toi qui as fait Soleilio, c'est un film culte, m'a-t-elle dit. Oula. Ah ben j'ai dit, je t'offrirai le DVD quand il sortira. D'accord, bon ben, très bien, ben, on en a. Mais on parle beaucoup de lui, j'ai été dans des festivals, j'ai fait des projections au musée de l'immigration, j'ai fait une projection au musée du Quai Branly, il y a eu l'émission de France Culture d'une heure sur Med, il y a eu des tas de choses, quoi, comme il n'y avait pas il y a 5 ans. Donc, si on parle d'héritage, je parle plutôt là, je parle de la suite. JB. Malheureusement, on est obligé de constater que, comme de nombreux cinéastes, sa filmographie va être connue après sa mort, mais on commence vraiment à en parler petit à petit, même de très grands réalisateurs américains qui commencent petit à petit placer son nom dans des listes de films préférés, etc. Notamment Barry Jenkins, qu'il a fait il y a maintenant 5 mois, dans son top 15 ou top 10 pour Silent Sound, justement, la revue où Fanta écrivait. Et il avait parlé de West Indies. Et donc, moi, ça m'a rendu extrêmement optimiste. Et je me suis dit que dans les années qui vont suivre, ça va quand même être un nom qui va être peut-être installé. Du moins, c'est quelque chose que j'espère.
et petit à petit ça commence avec la sortie du DVD, etc. Et aussi je crois qu'il va potentiellement être sur des plateformes à la rentrée, donc c'est très... Ouais. Yes. Il sera sur Mubi, donc voilà, c'est top. Donc moi je suis très enthousiaste. Fanta. Alors moi je vois pas vraiment d'héritier en France, en tout cas chez les cinéastes, et ça je pense que c'est parce qu'il y a une sorte de d'interruption de la transmission de la mémoire de son cinéma qui fait qu'on voilà qu'on peut pas vraiment qu'on n'a pas pu se l'approprier et créer des émules comme il y a pu en avoir avec les cinéastes de la nouvelle vague ou autres. Je me permets de t'interrompre, ouais. Mais juste aussi des hérités dans le sens raconter l'histoire des dominés aussi. Qu'est-ce qui est capable de prendre le relais aujourd'hui à ton avis? Spontanément, je pense à Philippe Faucon pour voilà la mémoire algérienne, mais pour l'Afrique noire, c'est plus c'est toi la critique. Pour l'Afrique noire, moi c'est un peu ma thèse avec Madondo, c'est que il s'identifiait comme africain et il s'est battu pour le cinéma africain, etc. Mais moi je dirais qu'il était pas que africain, il était franco-mauritanien, franco-africain. Il a fait presque tous ses films en France, il est mort en France. Et du coup, moi, je cherche plutôt des héritiers en France, et en fait, de se poser la question de pourquoi il n'en a pas en France. En tout cas, au-delà de raconter l'histoire des dominés, ça, bien sûr, il y en a beaucoup qui racontent l'histoire des dominés. Il y a Mati Diop qui le fait au Sénégal. Par contre, moi, là où il n'y a pas d'héritage, c'est dans la densité formelle de ses films, la radicalité de ses films, l'ampleur de ses films. C'est des films qui sont assez longs quand même, qui mélangent documentaire, fiction. Enfin, tu disais Bico Nègre, c'est un documentaire, mais lui, par exemple, il dit c'est un reportage de fiction. Enfin, donc, cette hybridité formelle, en tout cas chez les enfants d'immigrés, la seconde génération, il y en a pas énormément. Peut-être Alice Diop qui fait parfois aussi des films un peu hybrides, mais en tout cas, moi, enfin, l'héritage, c'est surtout cette radicalité-là, la férocité du propos. Enfin, ça s'est un peu perdu quand même, je trouve. En général, ce qui est assez... Oui, de toute façon, en général. Moi, je pense à La Nouvelle Vague, je suis même un réalisateur comme Paul Vecchiali, qui a fait de la comédie musicale, qui a fait des films, qui avait une variété incroyable, mais je pense que c'est cette époque-là aussi qui accouchait de réalisateurs qui étaient pleins de tout ce cinéma-là et qui ne se mettaient pas de barrières, justement. Dans les formes, et qui ne disait pas je suis réalisateur de documentaire ou de fiction, je suis réalisateur du cinéma. Oui, exactement. En tout cas, moi, la cinéaste à laquelle je pense, c'est Mati Diop qui fait ça, qui refuse quand on lui dit ton film c'est un documentaire ou un film de fiction. Non, c'est un film, point. Et derrière, oui. Mais sinon, comme je l'ai dit au début, quand je me suis présentée, c'est dans la critique, quoi. C'est dans la critique. Je pense qu'il y a une génération de critiques de femmes noires. Ou de critiques racisées qui vraiment sont nées genre sur Tumblr au début des années 2010 et pour qui Madondo était une figure hyper importante, et s'ils peuvent écrire aujourd'hui de cette manière sur des cinéastes africains ou encore aujourd'hui contemporains noirs, français, etc., c'est parce que lui il a laissé des textes où il posait un peu les bases et où enfin moi j'hérite surtout de ça, quoi, de cette virulence et de ce côté un peu voilà sniper, franc-tireur, que moi j'aime bien. Oui, puis c'est... alors, Annabelle, peut-être. Mais rien à dire. D'accord. Ok. Non, mais on peut continuer la discussion comme ça, de manière un peu plus informelle. Sur la question de l'héritage. D'accord. Pas... Okay. Toi, t'es dans l'archive, t'es pas dans... Non, c'est pas ça, c'est juste que... En fait, mon rapport à cinéma, il est très présent dans ma vie, et constant, puisque je travaille quand même sur ce fond depuis 3 ans et demi maintenant. Et pour moi, il est très présent. Donc l'héritage, en fait, vous disiez qu'il existe, ses films sont en train d'exister alors qu'il est décédé. Bah voilà, c'est quelque chose qui est quand même vraiment très très douloureux et malheureux quand on y pense, parce que je pense aussi à Sarah Maldoror, quand même décédée à 92 ans. C'est quand même Madondo, il est décédé, il avait 82 ans. C'est pas des gens qui sont morts jeunes. Donc malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître.
Mais en tout cas, voilà, mon rapport à ces films est vraiment très actuel. Donc sinon, enfin, c'est pour moi difficile de l'imaginer dans une question d'héritage. Et voilà. Ok. Bah, merci à tous les quatre, Julie, Fanta, François et Annabelle. Merci.